Donc excusez-moi, on m'a appelé, du coup ça a coupé la vidéo. Donc en fait on va faire plusieurs parties, ça va être en partie 1, partie 2. Donc voilà. Voilà, jolie salamande, donc on va la relâcher. Attendez, il y a du monde tiré, je me fais pause. Bonjour. Donc la salamande est partie. Regardez, attendez. Oh, oh, regardez, vous pouvez peut-être encore. Ouais, vous voyez encore un peu. Voilà. Donc je vais mettre pause et puis on se retrouve quand j'aurai chopé quelque chose. Tout de suite. Donc nous revoilà ici avec un petit triton. Donc voilà, hein. Bon là c'est. Parce que en fait là j'essaie de trouver de la couleuvre à collier. Il y a plein de lézards vipères. Bon, je vais essayer d'en attraper, mais. En fait, quand on marche, il y a plein de lézards vipères partout. Et en fait, c'est très marécageux partout. Franchement, c'est des super coins ici. Hein. Donc, il y a de la viperpédia, du lézard, de la couleur. Et c'est très marécageux. En fait, j'ai posé le pied sur une butte. Une butte qui était dans l'eau, je vais vous montrer. Vous voyez, il commence à y avoir de l'eau. Un lézard. Il y en a plein. Il y en a plein partout. Il n'y a que ça. Donc voilà les petits. Voilà, c'est. Il y a plein d'eau comme ça partout. C'est pour ça que j'espère trouver de la couleuvre. Donc voilà, en fait, j'ai marché un peu sur une butte comme ça. Puis ça fait remuer l'eau. Et puis j'ai vu quelque chose qui gigotait. Donc voilà, c'est un petit triton. Donc Historia. Nom scientifique, voilà. Et voilà, je vais le relâcher. Oh, oh, ah. Et on se retrouve. Bon, attendez, je vais quand même vous montrer comment qui nage bien le petit. On va le mettre là, il va partir dans l'eau. Voilà, allez, vas-y, mon coco. Allez! Attends, on va le mettre au soleil plutôt. Je sais pas si vous le voyez. Là. Il est là. Voilà, on va le laisser. On se retrouve pour une nouvelle bestiole. A tout de suite. Donc, bon, voilà, j'ai attrapé un petit lézard vivipare qui se gigote partout. Mais en fait, j'en attrapais plein. Bon, ça, normalement, c'est une boîte quand j'attrape des serpents. Bon, ça, c'est une boîte à grillons. Mais comme ça, il a plus d'espace. Hein. Et puis, je vais mettre un petit peu de feuilles, il va être mieux. Voilà. Voilà. Et je vais aller en attraper d'autres. Allez, à tout de suite. Donc, non, voilà, j'ai attrapé un deuxième lézard vivipare. Donc, vous voyez, c'est celui qui est là. Le plus à droite, le moins foncé, c'est encore un bébé. Hein, je l'ai trouvé juste là, donc, mais franchement, il y en a partout. J'en ai vu des plutôt gros tout à l'heure. Hein. Et ils vont dans les.